je non, peux vous... le coup de sang, le coup de sang de Bernard Mabille. Ah. Alors aujourd'hui, notre président est en Belgique, the right man in the right place. Hollande est à Bruxelles, la France est dans les choux. Retour vers le futur, voici Juppé ressuscité. Vous avez vu, il est ressuscité, Juppé. Hein, bah, on l'a entendu ce matin sur RTL. Homme providentiel de la droite sur toutes les chaînes de télé, toutes les radios, dans tous les journaux. Il vient affirmer qu'il ne pense pas à 2017 en se rasant. Il le jure même sur la tête de Sarkozy. Alain, ton nez s'allonge, qui peut y croire? C'est plus Juppé, c'est culotté. Mais comme l'on dit à Bordeaux, il y a des coups de pied au cru qui se perdent. Alors après le pacte de croissance, le pacte républicain, le pacte de responsabilité, voici le pacte de solidarité. L'arme secrète de François Hollande, ce sont les pactes. J'ai un problème, je crée un pacte et hop, je suis tranquille, fini les soucis pour quelques mois. Des pactes, oui, mais des sans ennuis. Voilà, c'est fait. Notre Premier ministre nouveau s'appelle Valls. À l'heure du digital triomphant, la France régresse. Elle revient au manuel. Un Premier ministre né à Barcelone, une maire de Paris née à San Fernando. La gauche y va franco. En 2017, la France votera pour El Cordobès. Alors, à août, Jean-Marc Ayrault, il est revenu à Nantes. La digue, la digue. Ayrault a pris le TGV, un train qui lui ressemble. TGV, très grand vide. Revisitant la phrase de Marchel, Iliane fait les valises. Ce matin, l'ancien Premier ministre a lancé à sa femme, Brigitte, file-moi les clés du combi. Ayrault, après 150 villes perdues, s'est dit fier du travail accompli. Pas de doute, ce mec bossait en sous-main pour l'UMP. Pas un mot pour Hollande, son ami. Ayrault digère mal son dernier mot d'amour envoyé par celui-ci. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Jean-Marc Ayrault. Ayrault, il l'a dit, veut disparaître. Souhaitons pour lui que ce ne soit pas la façon d'un autre Nantais célèbre, Dupont de Ligonnès. C'est le grand retour de Ségolène Royal, madame moi. C'est plus Ségolène, mais Égolène Royal. Dimanche soir, elle était sur toutes les chaînes de télé. Alors question, comment a-t-elle fait pour aller aussi vite? Réponse, c'est un mec inconnu, car casqué, qui l'aurait conduit en scooter. Extraordinaire quand même d'avoir choisi Ségolène pour commenter cette dégelée royale. Bon. À Marseille, Godin jubile, il a été réélu dans un fauteuil. La prochaine fois, le fauteuil sera roulant. Godin réélu depuis 95, les Marseillais trouvent le mec au poil. Depuis 1995, c'est un poil à feu continu. Alors une chose est sûre, Dominique Strauss-Kahn ne rentrera pas au gouvernement. C'est bien la première fois que Strauss-Kahn ne rentre pas dans quelque chose. Fallait les entendre hier monter en boucle. Moi, devenir ministre, ce n'est pas le problème. Mon seul but, et c'est pour cela que je fais de la politique, c'est de voir la France se redresser. Je ne veux qu'une chose, le bonheur de nos concitoyens. Ils l'ont tous dit, hein. Comprenez, je suis prêt à tout pour décrocher un Marocain. Tout pour ma gueule, les autres, je m'en tape. Christiane Taubira pourrait sauter. Eh oui, tu vois, Christiane, tout arrive. Enfin, vous avez vu la pub à la télé? Valls est avant tout un médicament contre la constipation. Hein? Depuis hier, les écolos ayant refusé d'entrer au gouvernement, Valls devient depuis un excellent vermifuge. Le double effet casse-couille.